Madame, monsieur, bonsoir. Il faut être très prudent cette nuit car la tempête engendre ou va engendrer de violentes rafales de vent qui pourront atteindre les 120 km/h accompagnées de fortes précipitations. Alors voici justement la carte prévue pour le milieu de la nuit avec donc cette nouvelle perturbation, cette tempête qui aborde la France et qui donc en milieu de nuit se situera sur toute la moitié ouest du pays avec des vents d'ouest à 100-120 km/h en Manche, 100-120 km/h également sur l'Atlantique, dans les terres, un vent un petit peu plus modéré, mais vous le voyez très très soutenu, un vent de sud-ouest à 70-90 km/h. À l'avant, avant l'arrivée donc de cette perturbation, peu de pluie, quelques éclaircies nocturnes et un vent de sud tout de même à 50-70 km/h et un ciel relativement clair sur le pourtour méditerranéen. Là, un vent d'ouest à 50-70 km/h. La carte maintenant prévue pour la mi-journée. Elle sera cette mi-journée marquée par l'accalmie en ce qui concerne les vents, mais des vents qui seront encore, vous le voyez, assez soutenus avec 50-70 km/h en rafale en Manche, 70-90 km/h sur les côtes atlantiques et 50-70 km/h à l'intérieur du pays, notamment sur le sud-ouest. 70-90 km/h en Méditerranée, un vent de secteur ouest. Donc la perturbation, elle sera présente sur bon nombre de régions, des pluies très soutenues, surtout sur le sud-ouest de la France, le pourtour méditerranéen qui verra quelques pluies éparses et des pluies plus modérées, si je puis dire, sur la façade est de la France. Sur une petite moitié nord, ce sera un ciel de traîne, un ciel assez nuageux, des pluies qui pourraient se produire, mais de manière très rare. Et puis sur le nord Pas-de-Calais, de timides éclaircies qui vont revenir. Les températures prévues pour le lever du jour, des températures qui sont stationnaires par rapport à hier matin, alors ce qui nous donne 5 à 12 degrés sur la moitié nord et 7 à 12 degrés sur la moitié sud et même 13 degrés à Bordeaux. Pour l'après-midi, les températures seront en très très légère hausse sur le sud-ouest de la France. On attend entre 11 et 15 degrés sur la moitié nord et 14 à 22 degrés sur la moitié sud, un maximum de 22 degrés à Bastia. Maintenant, pour ceux qui voyagent, un petit tour hors de nos frontières avec des averses orageuses à Belgrade avec 18 degrés, des averses également à Amsterdam, 12 degrés, de timides éclaircies à Copenhague, 12 degrés, ainsi qu'à Londres, 13 degrés, de timides éclaircies également à Vienne avec 12 degrés, un franc soleil sur Alger et sur Tunis où il fera 23 degrés et de la pluie à Moscou ainsi qu'à Oslo avec seulement 6 et 9 degrés. On termine avec l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 28 octobre. Bonne fête au Simon. Un soleil qui va se lever à 7h33 et se coucher à 17h35. Surtout, soyez très très prudents. À bientôt.